Dior Forever. The new generation. On danse à l'honneur des Sénégalais. Je suis une personne très logique. Sur le plan spirituel, nos points spirituels, parce que ces Kassala, s'ils avaient la possibilité de rentrer dans l'Union européenne, depuis seront rentrés. Voilà Annie Poki. Les gens peuvent dire c'est une bonne journée, rien à faire. Moi je suis pas dans l'émotion. Lorsque le petit Illuminati là, le gars qui vient de se faire initier au Lounge Club là, que vous appelez c'est Aptu machin et tout, lorsqu'il a provoqué les Camerounais, c'est des gens qui ont 4 yeux, ils savent ce qu'ils font. Les Camerounais auraient dû se concentrer. Parce que moi, je vous ai toujours dit que le monde est spirituel d'abord. Vous avez, si vous avez constaté, les deux personnes qui ont commencé à chercher les problèmes pour créer la distraction, ces deux personnes bien ancrées dans le satanisme. Le soi-disant pasteur et son frater. Si vous avez constaté sur les réseaux sociaux, c'est les deux personnes qui sont toujours en guerre de leadership. Parce qu'ils savent, sur le plan spirituel, ils savent, c'est les patates des mêmes sions. L'autre vient récemment de se faire initier, l'autre est ancré dans le satanisme depuis. Tout ce qu'ils font, ils le savent. Il fallait qu'ils provoquent ça pour qu'il y ait tout ce qui s'est passé là, afin d'affaiblir. Moi, je ne comprends pas cette. Les Camerounais sont très émotifs. Hein. Sur le plan de la spiritualité, je vous avais expliqué que l'Occident a créé
ces hôtels kabbalistiques au Congo, où c'était le pays de où c'était Mobutu, où c'était qui là, où c'était oh, le type qui mangeait la chair humaine là. Ils l'ont transporté au Gabon. Après, ça a mis 50 ans sous le règne de ma chaîne là, de Mabongo. Et ils l'ont positionné en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de le déplacer pour le positionner au Cameroun. C'est pour ça que je vous dis toujours, il y aura beaucoup de crimes rituels ces derniers temps. Le Max Ender va créer trop de crimes rituels ces derniers temps. Il y aura trop de morts. Quand je vous avais dit ça avant que la CAN ne commence. Et quand ils vont terminer avec ces crimes rituels, ils vont maintenant s'acharner sur les femmes enceintes. Je vous l'avais dit. Donc, les deux Illuminati, là, le franc-maçon et le gars du Longstop, là, c'est les patates des mêmes sions. Le gars du Max Ender, là, pasteur, là. Lorsqu'ils font quelque chose, ils savent très exactement ce qu'ils font. On ne court pas après le vent. Et vous, comme des moutons, vous ripostez. Et les gens qui ripostent, ce sont toujours leurs fratères qui sont au Cameroun, le gros comédien, là. Le gros comédien camerounais, le gars Baranté, là, qui a initié tous les petits gars qui se font passer pour les comédiens ces derniers temps. Il les a livrés à la femme qui est ministre, là, qui dit qu'elle est ministre, la voleuse dame, là. Vous devez savoir que même sur le plan spirituel, le Cameroun, c'est un pays qui est assis avec une diversité de spiritualité. Vous devez savoir que vous ne devez pas suivre les gens n'importe qui, n'importe comment. Le pays où je me sens libre, c'est le Mali. Parce que nous avons traité des traités qui spirituellement sont comme des pactes. Sous la diligence d'Aïdjo. Maintenant, vous devez souvent vous accoler aux pays qui ont des liens avec vous. Le Sénégal, vous ne savez pas ignorer que notre ancien président de la République repose au Sénégal. Qu'est-ce que vous avez allé faire des ramifications avec des... Moi, je ne vous comprends pas, en fait. Moi, je ne comprends pas. Les Illuminati jouent avec vous comme ça, là-bas. Bon. C'est vrai qu'il était question ici que le Cameroun ne gagnait pas cette Coupe d'Afrique. À la base, c'était... je l'avais mis sur ma page, quoi. J'ai mis ça sur ma page et tout. C'est pas ça le problème. Le problème qui se pose, c'est que c'est derrière nous maintenant. Supporter le Sénégal. Nourrissez les égrégores du succès sénégalais. Quelle est cette mésentente qui fait que chaque fois les Cassavons viennent prendre chez vous? Est-ce que vous avez déjà vu... vous savez ce qui se passe chez les Égyptiens quand un noir arrive? Pour ceux qui n'ont pas voyagé, vous savez ce qui se passe? C'est des gens qui ne vous aiment pas. Alors, ne les aimez pas, c'est tout. Comment vous pouvez aimer? Moi, je ne comprends pas. Vous êtes Biladi, c'est quoi? Moi, j'ai vu des gens qui ont appris l'hymne national d'Égyptien. Moi, je ne peux jamais me permettre de je suis, ça dit, très carré dans ce que je... Dans ma façon de... Je suis très carré dans ce que je fais souvent. Je n'aime pas quelqu'un, je ne t'aime pas. Je n'aime pas tes enfants, je n'aime pas tes ancêtres. Vous devez mettre dans votre tête que vous ne devez, c'est-à-dire vous ne pouvez pas aimer les gens qui vous maltraitent quand vous venez chez eux. Privilégiez l'Afrique, c'est-à-dire que après le Mali, après le Sénégal, qui sont des pays avec qui, c'est-à-dire j'estime que nous devions avoir les mêmes points de vue, il y a l'Afrique noire. En général. Moi j'ai vu certaines personnes qui, la Guinée qui maltraite vos frères, la Guinée équatoriale à côté là, les Gabonais qui maltraitent vos frères, vous n'avez rien dit. Vous sautez, vous partez attaquer des gens qu'on a porté toute la sorcellerie occidentale de chez eux pour venir poser chez vous. Il y a certaines personnes à qui on ne répond pas. Et un peu de personnalité. Je voulais apporter ici ce matin mon soutien sans faille à l'équipe du Sénégal. Je répète et je redis. J'apporte mon soutien. Il est hors de question que le grand maître du Grand Orient entre au Cameroun et impose ses esprits sur le sol camerounais. Ce n'est pas possible. Posez-vous des vraies questions. Il est hors de question que vous acceptez, vous nourrissez les égrégores d'un pays comme l'Égypte. Qui vient avec leur spiritualité, qui s'impose. C'est-à-dire, ça me renvoie à la colonisation, en fait. Parce que pourquoi on colonise l'Afrique, c'est passé par le Maghreb.
Ils ont dominé d'abord l'Afrique noire spirituellement. Il y a d'abord, ils ont utilisé des appareils répressifs qui ont dominé le spirituel et le temporel ensuite. Arrêtez de leur donner l'occasion de dominer l'Afrique noire. Même si vous avez été en conflit avec ce pays, la Côte d'Ivoire, vous ne devriez pas nourrir les égrégores. C'est-à-dire, vous auriez dû laisser supporter la Côte d'Ivoire qu'on élimine d'abord l'Égypte. Et comme ça, vous auriez réglé vos comptes sur le terrain avec la Côte d'Ivoire. Soyons logiques. Quelle est cette guerre que vous faites contre l'Afrique noire? Maintenant, toutes les filles sont devenues qu'elles veulent devenir blanches. Vous n'avez pas d'identité spirituelle. Vous êtes en train de perdre votre identité spirituelle. La Côte d'Ivoire vous a engueulé, il n'y a pas de souci. Vous partez au stade, vous nourrissez les égrégores de c'est-à-dire, vous supportez d'abord l'Afrique noire. Vous chassez ces Égyptiens qui nous chassent chez eux. Moi, je le dis à haute et intelligible voix. Et si ça ne plaît pas, mon adresse est sous Google. Je ne me cache pas. Vous chassez ces Égyptiens-là d'abord. Maintenant, vous réglez vos comptes avec la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que ça se passe. Vous savez ce qu'ils disent de vous? Ils disent de vous que ces noirs-là, ils sont comme ça, c'est des animaux, ils ne vont jamais s'entendre. Le Maroc et l'Algérie, ils ont beau se malaxer entre eux, mais ici, en Occident, là où ils vivent là, quand tu attaques un Algérien, tous les Maghrébins vont venir d'abord t'attaquer. Et après, maintenant, entre eux, ils vont se gâter entre eux. Pourquoi vous ne vous aimez pas? Moi, je ne comprends pas pourquoi l'Afrique noire, ils ne s'aiment pas. Moi, je... C'est vrai. Moi, j'ai ma façon à moi de voir la vie. Je peux me rendre au Mali, au Sénégal, pas encore, parce que j'ai pas mal voyagé. Mais il y aura des moments où j'aurai envie de me rendre au Sénégal. J'ai même un billet d'avion du Sénégal, là, qui est encore valable. Je voulais me rendre au Sénégal, au Burkina, dernièrement, je n'ai pas pu partir à cause du Covid. Mais il m'arriverait d'aller dans ces pays. Pas dans les pays où les gens croient qu'ils sont... voilà, moi, il y a certains pays où vous pouvez consommer même 250 du taux, j'en ai rien à foutre, tant que c'est des pays démoniaques, j'en ai rien à branler. Moi, particulièrement, je parle de moi. Certains m'ont dit que tu es qui? Je vais te demander toi, tu es qui? Mais je privilégie l'Afrique noire en particulier. Il est hors de question ici que je voyais qu'on est en train de taper sur un Ivoirien et que je passe comme si c'était rien, non? Je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter. Si, je vais vous dire quelque chose. Si je passe un jour, un Kassa est en train de taper sur un Ivoirien, je ne veux pas savoir ce qui s'est passé. Je vais m'arrêter. Je vais mettre à 2 mètres sur terre le Kassa. Maintenant, avec l'Ivoirien, on va parler après. Ce sont vos frères, c'est l'Afrique noire. Même si les liens ne sont pas proches. Arrêtez de me parler de l'histoire que et toi marié, machin et tout. Il y a le président Aïd a signé des traités avec le Mali. Il y a le Tchad à côté. Nous avons des pays qui nous respectent. Mais les Ivoiriens, c'est vos frères, c'est l'Afrique noire. Mais qu'est-ce qui vous prend même? Et je vois ce gros humoriste, le gars Baganté là, qui est en train d'initier tous les petits enfants maintenant dans les loges. Ils sont en train de prendre les vies des gens dans le. Il y a Bila, et il ouvre sa grande gueule, il rit, parce qu'il dit soi-disant que sa tante est ministre. Mon frère, ta tante est ministre de quoi? Qui la voit même là-bas au Cameroun? Qui la voit? Elle est quoi? Elle est qui? Faites attention, supportez le Sénégal. L'Afrique doit se réveiller. Je ne peux pas, même si je viens de me battre avec un Ivoirien, je ne peux pas supporter un Kassa devant un Ivoirien, je ne peux pas. Si un Malien et un Ivoirien se battent, je vais me rallier au Malien. Mais si un étranger, un Maghrébin, se bat avec un Ivoirien, je n'accepte pas. Je vais d'abord sortir l'Ivoirien des griffes du Maghrébin avant de causer avec lui, même si c'est lui qui a tort.
Réfléchissez. L'Afrique a été asservie spirituellement d'abord. Parce qu'à un moment, je vous avais dit dans l'un de mes directs sur ma page qu'on a fait, mais je vous avais dit que le coronavirus est venu arriver après une guerre spirituelle dans l'astral. Parce que le monde, grâce. S'il te plaît, arrête-moi le chauffage là. Il fait très chaud en fait. Merci. Il y a eu une guerre spirituelle qui s'est passée. Parce que moi, je vais vous dire, les événements du monde, ce football-là, moi, je savais depuis que le Cameroun allait être éliminé parce que c'est spirituel d'abord. Les maîtres spirituels peuvent vous dire comment ça se passe. Ça se sait. Les combats sont spirituels d'abord avant d'être physiques. Puisque le spirituel domine, c'est-à-dire à 80% sur la construction du monde. Le monde est basé sur trois astrales. Il y a l'astral céleste, que vous appelez le ciel, nous on dit l'astral céleste, qui est divisé en trois parties. Il y a l'astral aquatique, il y a des gens qui vivent sous l'eau, c'est spirituel. Maintenant, l'astral terrestre, ça représente 20%, parce que même dans l'astral terrestre, il y a des esprits qui vivent autour de vous. Et ils appartiennent au spirituel. Parce que c'est le monde spirituel qui domine le physique et le temporel. Et il y a eu une guerre spirituelle dans l'astral depuis 2015 ou 2017. La guerre de leadership entre le dragon. Parce que, je vais vous dire une chose, la Chine sera la première puissance du monde dans les années à venir. Écrivez-le quelque part. La Chine, c'est un pays qui est en train de se préparer. Et c'est pour ça que vous voyez les Américains. Dernièrement, quand je voulais aller aux États-Unis pendant les congés de Noël, là, ils ont resserré leur sécurité. Quand tu arrives à l'ambassade des États-Unis à Paris, mais tu as l'impression que tu es en train d'aller au ciel, quoi. Ils veulent savoir pourquoi tu vas aller chez eux. Moi, leur avis, votre pays, là, est même quoi. Si tu étais le fait que j'ai des patients aux États-Unis, je n'ai pas fait quoi là-bas. Vous n'impressionnez personne. Ils sont prudents parce qu'il y a une guerre spirituelle dans l'astral depuis. Actuellement, ça s'est calmé. La guerre spirituelle se vit entre le dragon et l'aigle. L'aigle, c'est la puissance qui représente les États-Unis. Et l'aigle, c'est un pouvoir qui appartenait aux Africains. Lors de la colonisation, nos maîtres spirituels, nos ancêtres, détenteurs de nos pouvoirs, moi je vous le dis afin que le mal du Sénégal n'arrive. Nos ancêtres détenteurs de certains pouvoirs avaient livré ça aux Américains lors de la déportation massive. À la base, l'aigle appartient, c'est un pouvoir des Africains qui a été arraché. Parce que je vous avais dit que pour coloniser l'Afrique, ils l'ont d'abord dominé. Je vais vous dire, pour que quelqu'un vous domine, vous allez voir. Un homme à la maison avec sa femme, lorsqu'il maltraite beaucoup sa femme, lorsque sa femme utilise le spirituel pour le dominer, il devient soumis. Il y a parfois des mariages arrangés où l'homme n'aime pas la femme. Il était lui, je me rappelle, il y avait un commissaire de police en Gambéré. Il n'aimait pas sa femme en fait. C'était une famille, il avait la fille, il aimait une autre femme. Et sa famille lui a imposé une fille. La fille est venue, elle savait que son mari ne l'aimait pas. Toutes les grossesses, c'était quand il était sous ou quand il avait des problèmes avec sa petite copine de dehors. Il venait, il enceintait sa femme. Sa femme est partie chez un Modibo là-bas. Le Modibo là habite à Sabongari, Amérique. Non, il habite derrière la maison du président Ayidjo là-bas en Gaoundéré. Elle est partie, elle a vissé son mari spirituellement. Et lorsqu'elle a vissé son mari, qu'est-ce qu'elle faisait? Puisque son mari ne l'aimait pas à la base, quand son mari, elle a dit à son mari que si tu veux, tu peux ramener même 5 femmes. Mais chaque fois que son mari amenait une nouvelle femme, elle partait en cachette, elle les sépare, elle fait le calfa, elle vient s'asseoir. Finalement, son mari a fini par l'aimer et ils sont ensemble jusqu'à aujourd'hui. Parce que le spirituel domine le temporel et le physique. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez rien compris encore de la vie. Vous n'avez rien compris. La guerre spirituelle qui s'est passée dans l'astral,
C'était entre les esprits des États-Unis, enfin des États-Unis qui sont la première puissance du monde, et les esprits de la Chine qui sont représentés par l'aigle. L'aigle ayant pris le dessus sur les États-Unis, c'est spirituel. Moi, je ne vous dis pas d'ailleurs, me dit ça s'est passé quand. C'est spirituel, ça se passe dans l'astral. L'aigle ayant pris le dessus sur les États-Unis, ils ont utilisé une arme chimique d'où vient le coronavirus. C'est un peu comme quand tu bagarres avec une personne. Si la personne a le dessus sur toi, il prend même le piment, il verse dans tes yeux, la poudre du piment, il verse dans tes yeux. Pour vivre, c'est comme ça que les États-Unis ont pu. Mais je vous dis encore et je vous répète, jusqu'à présent, cette guerre spirituelle n'est pas terminée. Parce que la guerre spirituelle tendait aussi à la libération de certains territoires qui sont dominés comme le territoire africain. C'est pour ça que vous voyez maintenant tous ces les manières et tout, ça commence petit à petit comme ça. Ils s'entêtent face aux pseudo-puissances comme la France. Je vous avais dit dans l'un de mes directs sur ma page, et puis lorsqu'on avait fermé, que la France, l'Europe se sentant dominée par cette nouvelle puissance qui est en train de se spirituelle, qui est en train de se réveiller, ils ont sacrifié la France. La France qui est mon pays, mes enfants sont français. Si cette histoire n'est pas arrangée, la France tombera en disgrâce. Je vous avais dit ça. C'est spirituel. C'est spirituel. Lorsque vous voyez les gens jouer sur le terrain, là, il y a des esprits partout dans le terrain, bien avant, ça se fait bien avant. Vous voyez que les Égyptiens viennent chez vous. Qui a laissé entrer la douane spirituelle au Cameroun? C'est ça le problème. Qui a laissé entrer les esprits de l'Égypte? Pardon, la douane spirituelle égyptienne au Cameroun. C'est les esprits corrompus de la douane spirituelle camerounaise. Ils auraient pu les bloquer l'accès. Parce que les territoires sont délimités par des douaniers spirituels, les esprits de la douane spirituelle. C'est pour ça que même lors des traversées, les personnes qui veulent s'aventurer en traversant, ce n'est pas tout le monde qui entre. Si tu n'as pas une destinée qui est liée, et ça va au travers de la réincarnation. C'est lié à la réincarnation. Parce que je vous avais dit dans l'un de mes directs que l'être humain a 7 vies. Les 7 vies, c'est la réincarnation. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas s'immigrer. Il y a certaines personnes qui, dans une autre vie, leur âme, ils ont vécu en Occident. Et ils ont été réincarnés en Afrique. Ça fait que là, ils ont la facilité de rentrer, même s'ils viennent à la nage, ils parviennent à entrer sains et saufs. Et il y a certaines personnes qui n'entrent pas, qui meurent à mi-chemin. Le monde est spirituel. Si je me mets à vous expliquer ça, vous allez vous perdre en fait. C'est pour ça que moi je le fais par séquence. Et ceux qui me suivent depuis, ils savent que ça dit que les séquences, c'est séquentiel. Donc moi je suis en train de vous dire que nourrissez les égrégores. Quand vous partez, vous vous mettez au stade. Vous voyez les petits Illuminati, parce que je vous avais toujours dit que dans les loges là, il y a des gens comme les Abutu qui sont entrés dans les loges. Bon, Maposo, lui, il est dedans depuis. Le gros humoriste camerounais là, avec toute sa clique, qui est en train d'ouvrir leur bouche, biladi, biladi, biladi. C'est des agents doubles. Ils sont là pour créer la division. Même si moi, camerounaise, je ne suis pas proche de la Côte d'Ivoire, parce que je le dis, je suis proche du Mali, je suis proche du Tchad que de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ce sont mes frères noirs. Ou bien vous croyez que quand vous mettez derrière les crèmes, vous devenez tout blanche, les machins et tout, blanche à l'extérieur, noire à l'intérieur, vous croyez que vous êtes déjà des blancs. Soyez logique. Moi, au stade, je n'aurais jamais supporté l'Égypte. Jusqu'à quand? Ça ne veut pourtant pas dire que si j'ai un voyage gratuit, je vais choisir la Côte d'Ivoire, non. Ce n'est pas un pays qui m'impressionne. Ce n'est pas un pays qui me... Je préfère aller au Mali, je préfère aller dans un pays où on respecte. Il y a des pays comme le Gabon. Je me rappelle la fille d'un président de la République là, avec qui j'étais amie une fois. Elle est PDG d'une grosse boîte au Gabon. Elle m'avait invité, je suis parti au Gabon une fois. J'étais parti pour un séjour, j'ai écouté mon séjour. Pourtant, le Gabon est là tout à côté.
Mais il est hors de question ici que je voie un étranger piétiner sur un Ivoirien ou un Gabonais. Je passe comme si ma chair rien n'était. Il a dit c'est qui, c'est quoi, c'est rien du tout. Réfléchissez-y. Les Africains doivent ouvrir leur cerveau. Parce que nous sommes dans une ère où l'Afrique est en train de prendre le dessus. Dans les années à venir, on va être dans une histoire où l'immigration sera en sens inverse. L'or bleu, je me répète, l'or bleu va tarir en Occident et ils viendront chercher ça chez vous. Dites-moi, c'est comme ça, c'est sur cette lancée que vous allez gérer les choses. Avez-vous déjà vu un Belge venir être hué en France? Avez-vous déjà vu un Anglais venir en crise sur un Anglais enfant? Ouh, Bila dit, c'est quoi ça? C'est quoi? Les Africains doivent... Bonjour, Guy Branko Kanga. Les Africains doivent élever la conscience, élever le niveau. Vous êtes très jaloux. Les Africains ont un esprit de jalousie. Et c'est ce que j'ai constaté. L'Africain, lorsqu'il a des pouvoirs, il part attaquer toujours son frère africain. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Moi, chaque fois quand j'ai eu des combats spirituels, c'est toujours des Africains qui viennent. C'est toujours des Africains qui viennent tester leur pouvoir. Et quand tu les mets hors d'état de nuit, c'est eux qui partent bavarder partout, les petites vendeuses de mèches là qui sont sur Facebook là. Ce sont toujours eux qui partent bavarder. Oh, ma chérie, c'est monté. C'est... Pourquoi vous faites ça? Utilisez vos pouvoirs pour conquérir. Il y a les sorties astrales. Lorsqu'on fait les sorties astrales, lorsque vous avez le pouvoir de faire les sorties astrales, combattez d'autres droits spirituels. Élevez vos continents. L'Afrique est sur une voie de développement très rapide. Il y aura beaucoup d'événements qui vont se succéder au Cameroun. Écoutez très bien ce que je vous dis. Le Cameroun, c'est un pays, je parle du Cameroun, c'est un pays qui va se développer. Le continent africain va réussir à se mettre ensemble. Et c'est mon souhait. L'Afrique sera un continent très fort. Je vais vous dire une chose qui va vous surprendre. Dernièrement, il y a eu un sommet spirituel où tous ces gens-là, ils y étaient. Il y avait le président de la Russie là, la reine d'Angleterre, le président de la France, ils étaient tous là. Où ils faisaient une assise, une rencontre astrale pour repartir à la conquête de l'Afrique. J'ai vu ce sommet là. C'était mystique, c'était spirituel, c'était pas physique. Quand vous voyez, peut-être le Mali, il a des difficultés, il part marcher pour appeler la Russie. Vous appelez ça la Russie c'est qui? Ils sont de connivence. Ils se croisent tous la nuit. La France dit au président de la Russie que bon, comme ils vous ont dégagé là-bas, vous allez faire semblant d'être avec eux, mais je préfère qu'on se partage les pertes. Il va falloir que l'Afrique se désolidarise complètement de cet embargo spirituel. Parce que derrière ça, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y a eu une guerre spirituelle derrière, on avait sacrifié l'Espagne qui était tombée en crise économique. On a sacrifié la Grèce. Cette fois-ci, c'est la France qu'ils vont sacrifier. Si ça ne va pas. Maintenant, les alliances que l'Occident a avec des pays maghrébins, c'est ça, vous allez venir nourrir leurs égrégores. Biladi, c'est quoi? Biladi, c'est le nom de qui? C'est justement pour ça qu'ils ont tué le président Kadhafi. Kadhafi n'était pas un dictateur. Kadhafi était un visionnaire. Et actuellement, où je vous parle, le jeune homme qui est à Mali, là, ils sont en train de monter un coup pour le descendre. S'il ne fait pas attention, une personne de son entourage va le descendre dans les jours à venir. Je le dis, après, s'il veut lui fermer ma page, j'en ai rien à foutre d'eux. Si j'ai dépassé la franc-maçonnerie française, c'est pas eux.
Faites attention à ce que vous faites. L'être humain détient des énergies. Les énergies sont, c'est des énergies qui produisent la parole. Les paroles qui sortent de votre bouche sont puissantes. Et nous sommes en guerre spirituelle. Actuellement où je vous parle, le monde est en train de vivre une guerre spirituelle. Les esprits qui contrôlent le territoire africain ne peuvent pas accepter que pendant qu'ils sont en train de travailler la nuit pour récupérer la liberté du continent africain, vous venez en plein jour avec des Illuminati du Lancelot, les Illuminati de la Côte d'Ivoire, les Illuminati du Cameroun, ils sont biladi, biladi pour créer le désordre. C'est justement pour ça qu'on a tapé votre canon. C'est-à-dire, c'est le genre qu'on dit que bon, comme nous sommes en train de travailler spirituellement et que vous êtes en train de vouloir nous faire chier avec vos bouches, on a gagné la Côte d'Ivoire 1-0, on vous a tapé 2-0, non? Réfléchissez et ne recommettez plus jamais ça. L'Afrique a besoin d'être resserrée. L'Afrique a besoin de serrer les liens. L'Afrique a besoin de se débarrasser de tous ces présidents qui s'allient à la spiritualité occidentale. La franc-maçonnerie n'est pas de nos mœurs. La franc-maçonnerie n'est pas de nos mœurs. Quand vous faites une sortie astrale dans un territoire comme le Sénégal, vous vous rendez compte qu'ils ont conservé au maximum leur spiritualité. Vous ne trouvez pas tous les... Comme là-bas, il y a des doigts, quand tu arrives, ça dit, tu sens l'esprit des bébés qu'on a sacrifiés qui pleurent sur les obélisques maçonniques. Quand j'arrive à Yaoundé, j'ai l'impression qu'on me parle, surtout quand tu as la possibilité d'écouter les esprits. Tu sens les pleurs des innocents. À Abidjan, c'est pareil. J'y suis pas allé, mais c'est un pays qui a conservé les hôtels kabbalistiques pendant longtemps, après le Gabon. Le Gabon, alors n'en parlons plus, quand tu arrives à l'aéroport de Libreville ou Port-Gentil, mais tu as l'impression que tu vas t'évanouir. L'énergie est négative. Le Sénégal encore, c'est un pays où quand tu arrives, tu peux t'exprimer en fait spirituellement. Le Mali. Même le Tchad, qui est un pays que j'aimais, eux aussi, ils se sont noyés dans toute cette connerie, canalerie-là. Jusqu'à quand? Tu vas voir ton frère ivoirien, machin. Ils ont dit que vous avez triché, c'est. Mais vous auriez pu leur montrer un peu de grandeur. Fais d'abord éliminer l'Égypte, qui ne sont pas nos amis. Je vous avais dit qu'il devait avoir des morts pendant la canne. Je vous avais dit ça dans l'un de mes directs. Vous avez vu ce qui s'est passé? C'est la franc-maçonnerie, hein? C'est le Marx Engel. Vous avez vu ce qu'ils ont fait aux enfants des gens, non? Lorsqu'ils ont fait une réunion mystique dernièrement et qu'on leur a dit que le Cameroun devait perdre, vous avez vu, non, ils ont préféré sacrifier des leurs. Parce qu'ils nourrissent les égrégores occidentaux. Ils s'en foutent que vous mourrez tous. Et même maintenant, il y aura d'autres sacrifices. Ceux qui sont là-bas, faites attention. Les Kassas ne seront jamais vos amis. Parce que lorsque l'Occident est dépassé, ils font des ramifications et ils signent des pactes avec le Grand Orient pour vous mater. Écoutez-moi très bien, les Kassas ne seront jamais vos amis. Ils ne seront jamais vos amis. Que pendant que vous étiez en train de jouer avec le Comore, le Cameroun était supposé être éliminé depuis le match avec les Comores. Parce que lors des combats spirituels, le Comore, qui est très très impacté par le vaudou, ils ont dominé cette spiritualité camerounaise qui est traître. En fait, les esprits qui délimitent les territoires camerounais, c'est des vendus, c'est des corrompus. Ils ont laissé passer toutes les douanes spirituelles. Le Cameroun devait perdre en face des Comores. Ils savent ça. Samuel sait ça. Il le sait. Il était au courant. Il était au courant. Ils étaient obligés. Je ne sais pas pour ce qu'ils ont fait. Moi, je ne vais pas accuser mon pays. Mais le Cameroun, c'était une honte pour le Cameroun. Parce que comme voilà, c'est quand même un pays qui représente une forte spiritualité.
Et dans votre spiritualité là, il y a des obélisques maçonniques qu'on a mis partout au Cameroun maintenant. Vous croyez que c'est pour sacrifier qui se lève vous là? Et il y aura même un crash d'avion bientôt. Je n'ai pas dit que ça va se passer sur le tronçon du Cameroun. Ça s'appelle les frères. Je vais finir de faire mon direct. Ils vont m'envoyer une notification qu'ils vont fermer ma page. J'en ai rien à foutre. C'est les frais de compensation parce que lors de la guerre spirituelle, il y a eu beaucoup d'esprits qui sont morts. Je parle des esprits. Parce que je vous avais expliqué que les esprits vivent, ils mangent, ils se marient, font des enfants comme nous. Aucun maître spirituel ne dira pas que ce que je raconte, c'est faux. Les esprits vivent. Les esprits parlent. Les esprits s'expriment avec des personnes qui sont habilitées à les écouter. Pour terminer, j'ordonne ici aux esprits de nos ancêtres d'anéantir cette équipe qui est l'Égypte là. Malgré leurs incantations qu'ils sont en train de faire depuis un bon bout de temps, il y a le grand maître de la loge du Grand Orient, il y a le grand maître du Grand Orient qui est à Yaoundé, qui est venu sous forme, voilà, qui est actuellement, ils sont assis, ils sont en train de faire des... Ils ont l'habitude de faire ça pour dominer leurs adversaires. J'en donne à ces esprits de tomber lamentablement. Je ne vous aime pas. Si mes compatriotes camerounais vous aiment au point de chanter votre hymne national, je ne vous aime pas. Si j'étais au Cameroun, je brûlais votre drapeau, vous les Égyptiens. Je ne vous aime pas, et je le dis à haute et intelligible voix, je ne vous aime pas parce que vous ne m'aimez pas. J'aime pas l'Égypte, je le dis, et je le dis à tous les maîtres spirituels corrompus du Cameroun, les bonbons, les vrais hommes noirs, pas les hommes noirs des loges là. Je vous dis, faites attention à ce que vous faites. On est dans une guerre spirituelle. Faites attention à votre corps, aux corruptions, les chefs bamiléques, les machins là. Faites attention à ce que vous faites. Ça aura un impact sur vos enfants aussi. C'est maintenant qu'on doit prouver que l'Afrique est un et indivisible. C'est maintenant qu'on doit prouver que si la Côte d'Ivoire est attaquée, nos esprits peuvent aller combattre avec la Côte d'Ivoire pour la libération de l'Afrique. Tant que vous n'avez pas compris que le monde est spirituel d'abord, vous allez voir. Merci Ali Somba. C'est maintenant que les Africains, l'Africain, même comme tous nos sœurs et nos frères sont devenus tous des blancs, avec la dépigmentation de la peau, je crois quand même que vous pouvez remarquer que c'est nos sœurs africaines. Il y a quand même les quintos un peu partout ici, là, il y a du noir là. Les filles qui se dépigmentent avec les hommes qui se dépigmentent là. Vous ne pouvez pas confondre vos frères et sœurs. Aimez vos frères africains. Je parle ici de l'Afrique noire, réveillez-vous. L'Afrique noire a besoin de se réveiller. Le grand maître du Grand Orient n'a rien à faire à traverser les frontières spirituelles camerounaises. Qu'ils aillent faire ça chez eux. Qui a laissé passer ces gens pour qu'ils viennent autant dominer sur une terre qui est la terre de nos ancêtres? Qui êtes-vous finalement? Avec un ministre le gars là qui se transforme en serpent bois là, oh, qui est venu au stade avec le balai, il faisait comme ça, le momana, le gars qui se transforme en serpent là, le ministre là, j'oublie son nom, celui qui vient au stade avec le balai, avec le pagne en bas, il y a le momana, des gens comme ça. De mari de notre, le show de notre fille là, son nom c'est qui là même encore? J'oublie son nom, mais bon, il n'est pas important. Des gens comme ça, des traîtres. Ben voilà, accent aigu. Qui êtes-vous en fait? Vive le Sénégal. Je voulais dire aux Sénégalais que vous êtes nos frères. Vous êtes nos frères. Moi, je suis extrémiste, un peu anarchiste sur les bords.
pas de demi-mesure, il n'y a pas de juste milieu. Soit j'aime, soit je n'aime pas. J'aime pas l'Égypte. Je le dis et je le répète, j'aime pas l'Égypte. Je ne vous aime pas. Si ça ne vous plaît pas, allez vous faire cuire des œufs. Je n'aime pas l'Égypte. Même si c'est la Côte d'Ivoire qui était partie en finale, j'aurais supporté la Côte d'Ivoire. C'est mes frères africains. C'est mes frères de l'Afrique noire. Les Égyptiens, je ne vous aime pas. Vous allez dire que je suis qui? Je suis la fille de Papa Mi, de la 8e génération des esprits guerriers. Et je ne viendrai jamais chez vous. Vous ne m'intéressez pas. Par contre, il peut m'arriver d'aller en Côte d'Ivoire, c'est la fille noire, même si je n'irai jamais. C'est mes frères. C'est mes frères noirs. J'aime pas l'Égypte. Et il va falloir qu'aujourd'hui, ça s'arrête. Je m'adresse au show de ma fille qui se balade avec le balai dans les stades comme ça. Il y a quoi sur ton balai là? Il n'y a rien. Moi, j'avais dit à ce frère, à ce machin-là, que le seul pouvoir qu'il a, c'est qu'il a corrompu les esprits des eaux. C'est fini. Et même, ce n'est même pas tous les esprits des eaux. Il y a plusieurs esprits de l'eau. Si les gens, on se décide, on te fait tomber, mon gars. C'est quand vous êtes là-bas au pays, là, c'est que vous avez corrompu les maîtres spirituels. S'il y avait même seulement 5 maîtres spirituels qui se lèvent sur vous, vous tombez depuis. Parce que spirituellement, votre régime est mort depuis. Moi, j'ai vu la mort de votre régime depuis. Il y a certains gens qui essaient de vous tenir debout, mais ce n'est pas ça. Vous savez que ce que je dis est vrai. Il se balade avec le balai comme ça. Il fait ça. Il fait ça. Il fait ça. Nisa te kolendo chiu. Nganse. Gnom topé. Il se balade avec le balai, il fait ça. Ton balai a fait quoi? Ton balai a fait quoi? Ton balai est allé où? Vous n'avez aucun pouvoir là-bas. Vous avez des pouvoirs surnaturels. Les pouvoirs que vous achetez. Les vrais pouvoirs, c'est les pouvoirs naturels. Vous n'avez rien du tout. Parce que pour atteindre le vrai degré de la spiritualité, il faut avoir les, il faut être représenté dans tous les astrales par au moins 6 esprits. Il y a là que le balai avec le balai. Le balai là n'a aucun pouvoir. Même moi, Camille, je peux prendre ton balai là et te fouette avec. Je m'adresse à moi les combis. Je peux prendre ton balai là et te fouette avec. Je te fouette. Après, je te dis que petit frère, assieds-toi. Je t'enseigne la spiritualité. Arrêtez ça. Arrêtez la mégalomanie. Arrêtez ça. L'Afrique a besoin de se construire. L'Afrique est en train de sortir de l'endormissement. L'Afrique noire est en train de se réveiller. L'Afrique noire est en train de renaître de ses cendres. L'Afrique noire est en train de se nettoyer. L'Afrique noire, les esprits de nos ancêtres sont en train, qui ont été mis sous embargo spirituel, se sont réveillés maintenant. Ils sont en train de vouloir donner une identité à l'Afrique. Pourquoi est-ce que vous êtes contre ça? Pourquoi vous êtes contre ça? La nuit, c'est toi qui es dehors. Tu ne dors pas, mais tu es ministre. Tu te balades avec un balai. Ton balai n'a aucun pouvoir. Hein? Tu te balades avec le balai comme ça, là, il est là. Après, c'est toi qui vas arracher la petite femme du milliardaire. Excusez-moi, je ne vais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais j'ordonne ici aux esprits de me dominer parce que la fille noire ne peut pas être sous domination du Grand Orient toute une vie, en fait. Ce que je vois là, ça m'énerve, en fait. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Je suis donc les personnes qui sont supposées être les détenteurs de nos pouvoirs que. Je sais.
Je sais que lorsqu'une personne est maître spirituel, détient certains pouvoirs au Cameroun, c'est nos dirigeants, on met l'œil sur toi parce qu'ils n'ignorent pas les personnes qui ont des pouvoirs. Ils mettent l'œil sur toi et ils mettent une machine répressive à marche pour te traîner soit vers le bas, soit pour te corrompre. J'en suis consciente. Mais vous pouvez leur donner ce qui est faux et conserver le bon. Nos os sont minés par la rose quoi. Vous avez fait ça comment? Je vous le demande depuis, je demande à nos chefs douala, parce que les personnes qui ont les pouvoirs pour rester dans les eaux, les douala, les banyangé, les bakwéri, les kribiens, les esprits des forêts, c'est les bamileke, les yawande, les esprits de la terre, bref, je ne vais pas entrer, les bassa, les esprits de l'air, mon frère, je ne vais pas entrer dans les détails. Vous avez fait ça comment? Pour que c'est les loges qui détiennent maintenant la moitié de nos pouvoirs spirituels. Vous faites ça comment? Donnez-leur le faux. Lorsque vous traitez les gens et que ces gens des loges viennent chez vous, vous pouvez leur donner les faux. Et garder les pouvoirs qui protègent vos pays, vos nations. L'Afrique noire est en train de se lever. Et on doit combattre cette spiritualité qui n'est pas nôtre. Parce qu'ils ne sont pas puissants. Et moi, je n'ai pas peur des francs-maçons, des rosicruciens, du Lance Club, du Grand Orient. Et c'est justement pour ça que j'ordonne à tous les esprits de descendre l'Égypte au plus bas. Et je demande au maître du Grand Orient que je suis libre maintenant, s'il est capable, qu'il vienne combattre avec moi. Parce que je suis fatigué que c'est toujours la franc-maçonnerie qui m'attaque. J'ai envie d'expérimenter avec les autres. J'élève le Sénégal ici au plus haut du firmament. Faites ce que vous pouvez, mes chers frères sénégalais. On va se rattraper en 2023. Faites ce que vous pouvez. C'est vos frères de l'Afrique noire qui vous vendent. Ils ouvrent les douanes spirituelles. On les corrompt à deux balles. Ils ouvrent les douanes spirituelles pour qu'on vienne vous dominer sur un territoire de l'Afrique noire. C'est vos frères africains même de l'Afrique noire qui ouvrent les douanes spirituelles afin que l'Égypte vienne s'imposer sur la terre du Cameroun. Faites ce que vous pouvez ce soir. Nous sommes avec vous. Moi, je suis avec vous. Et je demande ici à mes frères d'être avec le Sénégal. C'est l'Afrique noire qui gagne. Nous devons d'abord protéger nos frères de l'Afrique noire. Les autres ne m'intéressent pas. Merci pour ceux qui m'ont suivi ce dimanche. Je sais que tout le monde est dans l'euphorie du match et tout. Le Sénégal, ça va être difficile que vous n'allez pas au tir au but, mais faites un effort. Faites un effort parce que ça va être dur. Et faites un effort parce que voilà quoi, c'est un peu comme ça. Je suis de tout cœur avec vous et c'est advienne que advienne. C'est voilà quoi. Voilà, le combat est rude. Le combat sera rude, en fait. Le combat sera rude. Mais je suis de tout cœur avec vous. Je suis de tout cœur avec vous. Et puis, j'espère que l'Afrique noire va se rattraper en 2023. Ce que vous avez fait cette fois-ci, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Mes frères africains, mes frères camerounais, ce que vous avez fait, c'est pas bon. Oui, Christine Niémé. Ce que vous avez fait, c'est pas bon.
On ne nourrit pas les égrégores de nos des ennemis. Vous avez nourri les égrégores de l'Égypte. Ce que vous avez fait n'est pas bon. Certains de nos frères ont ouvert les doigts spirituels à l'Égypte, au Grand Orient. C'est pas bon. Ce que vous avez fait n'est pas bon. L'Afrique noire doit se réveiller. Réveillez-vous. En 2023, rattrapez-vous. Cette coupe était supposée rester en Afrique noire. Bilal, c'est quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Les Égyptiens n'ont jamais été nos amis. Moi, je le dis à visage découvert. Ils ne seront jamais vos amis. Les frontières spirituelles sont bien délimitées dans l'astral. Ils veulent bien appartenir à l'Occident. Ils ne sont pas vos amis, ils ne vous aimeront jamais. On vous tue en Libye, on vous tue, vous venez ouvrir les frontières spirituelles, non seulement aux Égyptiens, et puis vous mettez à nourrir leurs égrégores. C'est quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous avez vendu l'Afrique noire à l'Égypte. Si vous avez au moins les yeux pour voir ce qui se passe, mais ce n'est pas le problème. Moi, je suis de tout cœur avec mes frères sénégalais. Ça va être très dur aujourd'hui. Ça va être serré. Je suis de tout cœur avec vous. Je suis, comme je l'ai dit, je suis extrémiste, un peu anarchiste sur les bords. J'aime la personne qui m'aime. J'aime mes frères de l'Afrique noire. J'aime la Côte d'Ivoire, j'aime d'abord le Mali, j'aime le Sénégal, et après, derrière, j'aime la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Tchad qui est mon pays, c'est-à-dire que mon deuxième pays, avant le Mali et le Sénégal. J'adore le Tchad parce que mes meilleurs amis sont tchadiens en fait. Et après la Côte d'Ivoire qui vient peut-être en 10e position et d'autres pays, moi j'aime l'Afrique noire. Tofil Hindou, je vais te bloquer. Tu es une crapule de bas étage. Salopard. Je m'en fous si c'est le fou. Moi, je vous avais dit, le monde est spirituel d'abord. C'est-à-dire, la domination, certaines dominations ont toujours été d'abord spirituelles. C'est-à-dire que les pseudo-pharaons d'Égypte vous montrent qu'ils vous ont d'abord dominé spirituellement. Un connard vient me demander que c'est quoi l'Afrique noire, c'est quoi. L'Afrique noire, c'est que le Cameroun, c'est l'Afrique noire. L'Égypte, ce n'est pas l'Afrique noire. Je ne les aime pas. C'est de ça qu'il s'agit ici. Bonne journée à vous. Avec les annonces local service, c'est vous qui décidez. Vous voulez toujours en faire un peu plus pour votre entreprise. Comme plus de contrôle sur vos annonces, où que vous soyez et quand vous voulez. Lorsque quelqu'un prend pour la recolonisation de l'Afrique, vous voyez, moi je vais vous dire quelque chose, vous n'avez rien compris. Lorsque, quand tu parles de Kamga, je ne sais pas qui c'est Kamga, je crois que Kamga c'est Banjoun, c'est des gens qui partent entrer dans des loges, et quand ils entrent dans des loges, pour les humilier, on les utilise là-bas. Regardez par exemple Momo, votre ministre. Momo, lui, au départ, il était... C'est comme ça que ça se passe en fait. Les loges, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils voient qu'une personne a une énergie qui peut convaincre les gens. Moi, je le dis en partant de moi. Ils ont essayé de faire ça avec moi. Lorsqu'ils voient qu'une personne a une énergie spéciale, parce qu'il y a des personnes spéciales, des âmes affectées, qu'est-ce qu'ils font? Soit ils te corrompent, soit ils commencent à te mépriser, commence à te chercher les points, même si tu es sur le territoire camerounais, ils passent par leurs fratères qui sont dans les loges et que. Parce que dans les loges, on leur dit quoi? La franc-maçonnerie avant tout, la rose quoi avant tout, le lance avant tout, le machin. On leur dit que si tu ne peux pas tenir tête à ta loge, et ces loges-là nourrissent les égrégores occidentales en fait. À un moment donné, lorsqu'ils se sont rendus compte que Momo, lui, il avait matière, il avait de l'énergie positive. Et que nos frères africains ne se sont pas rendus compte qu'ils pouvaient prendre Momo de leur côté pour libérer. Parce que lorsque vous vous rendez compte que quelqu'un a une énergie positive,
Prenez-le, utilisez-le, mettez des moyens en jeu pour qu'il puisse être du bon côté. Parce que lorsque quelqu'un est du bon côté, ils font tout pour le corrompre. On appelle ça la corruption. C'est pour ça que lorsque, je vous avais expliqué, c'est pour ça que lorsque vous partez même en Afrique parfois pour vous purifier dans vos villages, la plupart des gens qui sont mandatés pour ça, ils sont corrompus maintenant. On les corrompt parce que la domination est d'abord spirituelle. On sait, regardez vos chefs des villages au Cameroun maintenant, regardez les chefs. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'autorité spirituelle soit sous la dirigeance de l'autorité administrative? On paye 100 000 francs à un chef. Vous croyez que c'est simple ça? Un chef de village ne devait pas manquer 100 000. Même les villageois peuvent payer leur chef. Mais c'est de la domination spirituelle. Et ça nourrit les autres occidentales. Quand vous me parlez du Kamga, une Kamga qui est entrée dans la franc-maçonnerie, vous voulez qu'elle supporte qui? Elle sait, on lui a dit quand elle partait entrer dans sa franc-maçonnerie que tu sais les intérêts de la franc-maçonnerie. Et c'est ce qu'elle fait. Elle ne peut pas être entrée à la franc-maçonnerie. Je ne sais même pas de qui vous parlez, de Kamga, machin et tout. Elle ne peut pas entrer dans la franc-maçonnerie et venir servir les égrégores africains. Non, elle ne vous appartient plus. Elle est africaine par lien de sang. Mais elle a signé des alliances qui font qu'elle appartient à la franc-maçonnerie qui est occidentale. Que Kamga, c'est au nom de quel chien? Kamga, c'est que quand on va lui demander d'aller faire des sacrifices rituels, elle viendra faire des sacrifices rituels au Cameroun. Elle va chercher parmi ses soeurs, là, ses cousines, là. Elle va commencer à liquider les gens pour nourrir les égrégores occidentaux. Pourtant, ses frères et soeurs n'étaient pas là quand elle partait signer ses pactes. C'est de ça qu'il s'agit. Kamga. Loving you is an easy thing, but I must take basket of pepper on top of my head and stay on that ring. I say, En 2023, je mets au défi les Égyptiens. En 2023, les Égyptiens, je vous mets au défi. Vous allez voir. On va vous montrer. On va vous montrer. Vous allez laisser vos conneries là en Égypte. Je vous, en 2023, vous allez voir que la coupe de se passe n'importe où. J'en ai rien à foutre. En 2023, vous allez rentrer avant le 8e de finale. C'est moi qui vous dis ça. Et je laisse cette vidéo à témoin. En 2023, vous allez voir. My sister, you love with me was appointment with Lucifer. Je dis aux Égyptiens là, au Maroc, à l'Algérie, en 2023. Ce n'est pas les histoires que l'autre là porte le mboma dans son panier, vient avec son balai faire comme ça, non. Vous serez sur un territoire neutre. Vous serez en Côte d'Ivoire. Et vous savez, en Côte d'Ivoire, la franc-maçonnerie et le Lance Club et machin et tout, ils ont retiré leurs hôtels cabalistiques là-bas dernièrement, ils ont mis ça au Cameroun. Parce que c'est eux qui vous ouvrent les douanes spirituelles. En 2023, la Côte d'Ivoire sera un territoire neutre. Vous n'aurez plus vos hôtels, vos ouvertures là-bas. Vous allez voir. Je m'adresse à vous. Vous allez voir. Moi, je ne parle pas dans du vent. Quand je parle, ça se fait. Dans cette connerie là au Cameroun, parce que voilà, mais vous allez voir en Côte d'Ivoire. You forgot that. En 2023, je vais me déplacer de la France pour la Côte d'Ivoire. Vous allez. Je vais vous le rappeler à partir de là-bas. Je vais me déplacer avec tout mon tribu. Mbap. Somebody said. Banyango na mon na ma le ma na ma liya e.
traduire au Cameroun. Kenny Jomo, c'est comme ça que vous faites, vous mal parler de moi partout. J'ai dit, Yohan Kaja, il y a l'avion au Cameroun. Est-ce qu'il y a un avion au Cameroun? Est-ce que j'ai parlé d'un crash? J'ai parlé d'un, ça fait deux ans, un an que j'ai parlé de ce crash d'avion. Est-ce qu'il y a un avion au Cameroun? Le Cameroun a un avion. Le dernier avion qu'il y a eu, c'est le crash là où ma soeur était morte, là, le crash de Boeing, c'était au Boeing 747 combi. Parce que je sais que après que mon père ait fait sa formation aéronautique, aérospatiale, parle de papa nous, ici à Toulouse, à Toulouse, il est rentré là travailler pendant 40 ans à la Camer. Après lui, c'était le chaos, le Cameroun a pris. Est-ce que moi j'ai parlé au Cameroun, vous avez un avion? J'ai dit qu'il y aura un crash d'avion parce qu'il y a une guerre entre les esprits de l'air en ce moment. Il y a une guerre spirituelle qui se passe dans l'astral. J'ai dit ça, moi c'est sorti de ma bouche. C'est pas possible. Il y aura un crash, oui. Il y aura beaucoup d'événements qui vont se passer dans le monde. Et il y aura une succession, c'est-à-dire de, en commençant par Niak, il y aura un nettoyage là-bas au Cameroun. Allez. Allez, Tomzi, allez. En commençant par Niak. Allez, allez. Les gens qui ont mangé les animaux pour vivre éternellement. Allez, allez. Il y aura un nettoyage après la canne. C'est pas que les enfants des gens qui sont partis au stade, vous allez partir un à un. Il y aura un gros nettoyage au Cameroun, un gros nettoyage, et vous n'allez rien faire. Je vais partir de tout, je serai au stade pour voir ce qui se passe, et je vais vous le dire. Alors, je vais partir de tout à l'heure, parce que je suis à Tours. Voilà, je vais terminer ma vidéo tout à l'heure en souhaitant mes condoléances les plus attristées à la famille du contre-amiral Sola. C'est une personne qui j'ai connue par le passé, et puis sur le plan, c'était sur le plan professionnel et tout. Et une fois je rentrais chez moi en Garoudéré, je n'avais pas d'argent. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Je crois que papa était malade, je me suis occupé de lui, quelque chose comme ça. J'étais allé au mess des officiers là-bas, je l'avais vu. Et il m'avait donné 500 000 francs pour rentrer en Garoudéré. Et je suis très reconnaissant. Lorsque quelqu'un me donne ne serait-ce qu'une aiguille, je suis reconnaissant. Je suis une personne de nature très reconnaissante dans ma vie de tous les jours. Et après, je crois que j'avais dit au contre-amiral Sola que il lui arriverait des désagréments. Je me rappelle, je le lui avais dit. Ça fait longtemps ça. Et quelques temps plus tard, le Sola m'a appelé pour me dire qu'on l'avait envoyé, je crois, comme attaché militaire à l'ambassade, c'est quoi du Cameroun, en Inde, quelque chose comme ça. Et c'est Edgar Alain Bébé Ngoro qui avait été à la cause de la chute de ce monsieur qui se faisait parfois passer pour impressionner les gens, pour le neveu de Biya. Voilà. Mais c'était une personne, je me rappelle, on causait un jour. Quand il m'a remis 500 000, je lui ai dit, mais c'est trop, je voulais juste l'argent de transport pour rentrer chez moi en Garoudéré. Il m'a dit, tu sais, l'argent que j'ai en banque, ça peut nourrir ma 7e génération. Et ça m'avait fait rigoler parce que je m'étais dit que, hey, la fille de papa, tu aurais dû demander même plus, lui dire que non, le transport, ce n'est pas, il faut ajouter même encore. Grand frère, paix à ton âme, que ton âme repose en paix. Même si tu étais comme les autres, je me dois ici, je suis reconnaissante, mes condoléances les plus attristées à sa famille, parce que ce qui s'est passé par la suite, je le lui avais dit. Et Edgar Alain Bébé Ngoro, c'est-à-dire au fond de ta prison, je m'adresse à Edgar, c'est vrai que tu essayes ces derniers temps à créer des ramifications pour pouvoir renverser tes fratères de Yaoundé. Je le sais, je sais que tu essaies d'utiliser tes ramifications au travers d'un homme de l'armée qui déjà est découvert, mais je te dis, fais aussi attention parce que tu risques de ne pas sortir en prison intact. Tu as fait beaucoup de mal aux gens et je te le dis en tant que ton supérieur spirituel parce que toi tu es sataniste et puis moi je sais à quel niveau tu es. Donc je voulais souhaiter mes condoléances les plus attristées au colonel, au contre-amiral Sola, qui était comme mon fils, bien que mon aîné, il était comme mon fils. Parce que j'appelle souvent des gens qui sont souvent sous ma protection, des mes enfants. Alors, je voulais lui souhaiter c'est-à-dire que son âme puisse connaître la réincarnation. Je le lui souhaite de tout cœur. Et je souhaite au Sénégal, je vous dis, le match sera rude. Allez-y tête haute.
N'ayez pas peur de ces petits Égyptiens-là. C'est pas moi, pour moi, ils sont petits, en fait. Les gens vont venir ici me dire, oui, ils ont cette coupe. J'en ai rien à foutre de cette coupe. J'en ai rien à foutre de cette fois champion. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Pour moi, ils ne m'impressionnent pas. Vive le Sénégal. Vive la terre de mes ancêtres, le Sénégal. J'élève la terre de mes ancêtres ici, dans les sommets les plus inimaginables. Quelle que soit la difficulté de ce match d'aujourd'hui, je suis avec vous. Allez-y, les lions de la Teranga. Allez-y. N'ayez pas peur, cette fois champion, on n'en a rien à foutre. Il y a un début à tout. Il y a un début à tout. Merci pour ceux qui m'ont suivi et pour ceux qui m'ont suivi. Je jure sur le nom de Papa Nou. Si tu arraches le carreau et la sauce jaune à l'homme de l'Ouest, le bien moi. Tata Kokori. Tata Kokori, ma my sister, you love with me, boss, Eric. Appointment with Lucifer. You wear my entry ticket to the head. You forgot that. We have something somebody said. Les lois de karma. Tu vas m'acheter les mobiles. Je vous le dis, il y a du bien. On tout met. We go see. God will be. Bon dimanche à vous. Bon dimanche à vous.